deux. Je pense que c'est complémentaire. Le télétravail, ça apporte un confort au quotidien, mais être au contact des clients et de ses collaborateurs, c'est aussi indispensable. Bah pour moi, il doit prendre des décisions et il doit quand même savoir où il veut aller. Et pour moi, c'est avoir une bonne communication fluide avec le client et qui nous permette d'être dans une logique de co-construction. Expertise. Moi, j'aurais tendance à dire diversité des missions. Je trouve que c'est moi qui viens de l'externe, ce que m'a apporté le cabinet, enfin ce que m'apporte le cabinet, c'est quand même la diversité des missions. Je trouve qu'on a la chance de pouvoir en faire un certain nombre dans une année. Et je trouve que c'est un vrai plus par rapport à l'externe. C'est qu'on a des missions qui sont plutôt courtes, je dirais, par rapport à l'externe. Et donc, on peut voir vraiment pas mal de choses, je trouve. 5 slides. Ouais, 5 slides. En fait, on a l'impression que le consultant, il passe sa journée à faire les slides. Mais en fait, un slide, ça doit être concis et il faut aller à l'essentiel. Et donc, il faut réduire au maximum, quoi. Alors pour moi, c'est l'utilisation de la documentation et de tous les outils qui sont mis à disposition des collaborateurs au sein du cabinet dans le cadre du knowledge management. Alors pour moi, c'est l'adaptation parce qu'on est amené à travailler avec différents clients dans différents contextes sur différents sujets. Donc la qualité, c'est de s'adapter en permanence. Ouais, je te rejoins. Et moi, j'ai un client qui m'avait sorti un jour l'image de, en fait, consultant, c'est vous êtes un couteau suisse. Et je trouve l'image bien. Les deux. Oui, les deux, parce qu'on accompagne les clients de bout en bout sur la partie stratégique. Ça permet de donner les principales orientations, mais aussi sur la partie opérationnelle pour accompagner le groupe à se transformer. Et alors moi, un conseil, si je donnais un conseil à une personne plus, je sais pas, plus junior, je pense que c'est ce qui est important pour être consultant, c'est l'aspect analytique, synthétique, etc. Enfin, tout le travail sur le fond, mais c'est aussi du travail relationnel. Et ça, c'est une dimension peut-être qu'on met pas assez en avant, mais c'est très important dans notre métier.